C'est pas sur Switch, je suis sur PC. Oula, faut que j'articule. Je suis sur PC, pardon. Guacamelee. Par contre, je crois que c'est la quatrième session, non? Ou la troisième? Putain, j'ai un trou, les gars. Les gars, j'ai un trou. Pardon. Vite, regardons. Quelle session est-ce? Pardon. La troisième session. Troisième session. Hop là. On est good. On est good, on est good. Me voici, je lance le jeu et j'arrive. Pip, pip, pip. Super Tube Championship Edition! Incroyable. Je sais plus si je me fais un cordon bleu ou pas. Je sais pas si je me fais. Bah, ça dépend si t'as faim ou pas. Fais-toi ce que tu veux si t'as faim. Alors, le mode normal, c'est normal parce que je n'ai pas pu choisir. Hein. J'avais que normal, moi. Désolé, hein. Alors. On va d'abord à la droite, ouais. Donc ouais, on peut changer de temps, enfin de monde entre guillemets, donc ça change un petit peu voilà le décor, on peut s'en sortir en poulet. Et voilà, c'est ce qui change vraiment le gameplay. Après on a des jumps, on a double jump, on a le wall jump. On a plein de choses quoi. Ok. Et là, j'ai le chemin retour. Putain, mais... Ok. I did it. Ok. Le son est pas trop fort, ça va? Ça me paraît fort. Faut me dire si c'est fort ou pas. Ça me paraît un peu fort, moi. Moi, ce sera des nouilles ramen la même saveur que les préférés de Naoto. C'est trop bon, les ramen. Ça va, ok. Oh! À l'aide! Baisse! T'es en train de saler, Gnome? Ah, mais non, t'as pas trop! Tu vas arriver à ton niveau, t'inquiète pas! Merde. Oh là, par contre, c'est l'enfer là. Ok. Bah, yes. Non. Ah, ok.
se casse. Jackie, t'es où? Oh, mais t'es un malade! D'ailleurs, elle est Inferno, tu connais? Non, mais no spoil, j'ai pas encore été, je crois. C'est une zone du jeu, il me semble. C'est vrai qu'un double saut, je l'ai pas utilisé. Les couleurs de ce jeu sont insane, je sais pas pourquoi, mais j'aime trop. Ah, les couleurs sont fabuleuses. Hein. C'est un bon petit Metroidvania, beaucoup plus. Beaucoup plus action, parce qu'il y a beaucoup de combos avec les points, etc. Que plateforme, mais c'est très chouette en vrai. Il y a quand même des phases plateforme, genre là, typiquement, je crois qu'il faut que je m'accroche au mur. Hein. Pas du tout. Ça va. Ça va. C'est bon ou quoi là? Yeah, I did it! Alors, moi j'ai mis des miaulements de chat sur ma télé, mon chat réagit instant. Bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Normal? Non mais par contre faut. Mais je vais trop vite! Ça dégoûte! Pas habitué à ces sites moi. J'avoue que c'est pas chouette d'emmerder son chat. Ok. Quel emmerdeur. Ah, sans le boss de fin bientôt les gars. Ok. Tiens. Allez là. Merci beaucoup l'application. Ok. Caro, t'es là ou pas? Tu m'entends? Oh là, ça zoome. Ça zoome peut-être un petit peu trop, non? Oh là. The fuck! Pardon! Tu réussiras bientôt à arriver sur ton niveau. Mais oui, tu réussiras! Sky Galaxia! Putain, cette salle de mort là! C'est une salle démoniaque! Oh là, la chèvre. C'est fini mon vieux, j'espère que tu es prêt. Puissent les dieux porter sur toi un regard favorable, Juan. C'est mouille. C'est ta chance d'arrêter Kalaka et de restaurer l'équilibre de l'univers. T'inquiète. Kalaka, viens là. Juan, il faut que tu sortes de là. Kalaka peut venir d'un instant à l'autre. J'aurais préféré que cela ne se déroule pas de cette façon, j'aimerais tant que nous soyons de retour à Pueblo Show. La commande c'est vous est cool ouais, très très cool.
C'est lui qui l'a faite. Bon, moi j'ai utilisé la voix et lui il a monté. On aurait pu. Pas si vite! Luchador, comme c'est gentil! Comme c'est gentil de te joindre à nous pour la cérémonie finale! Et toi, sale charo, tu m'as laissé. Laisse-le partir! Oh, ma douce, comme c'est touchant! Je savais que tu le feras l'idée de notre union, après tout, tu vas épouser un dieu! Et j'espère seulement être débarrassé de tes incessantes jacasseries par le processus de squelettisation! Laisse-le partir! Pourquoi tiens-tu tant à lui? On est plus le roi du début, on est devenu beaucoup plus fort, exactement. Attends un peu, j'ai compris ce qui se passe. Tu es ce fermier qui fait pousser des agaves. Te voilà, tu adores maintenant, mais je t'ai tué, je t'ai bel et bien tué. Pas grave, tu vas avoir le privilège de mourir deux fois de ma main. Je suis Carlos Calaca, le plus grand charo qui ait vécu et qui soit mort, évidemment. Mais qui revit. Ne t'en fais pas, je vais m'assurer qu'elle assiste bien à ta mort très lente et très 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 douloureuse. Y'a que des Mexicains, ouais, Bastien. C'est un jeu full mexicain, ça. Vois comme il est. Maintenant, montre-moi à quel point tu es pitoyable, Mister Gave. Ok, excuse-moi. Ah, mais j'ai pas le temps de faire l'attaque. Ah, j'ai le temps. Bim! J'adore, tu as de la chance que j'ai dépensé toute mon énergie pour le rituel. Mais tu arrives trop tard, le soleil noir est là. Viens contempler la fusion de deux mondes et le but de mon nouvel ordre mondial. Qu'est-ce qu'il a? C'était un peu simple, ouais. C'était un peu simple. C'est pas fini, les gars, c'est pas fini. Ah, c'est une scolatilation aussi. Ah. Il est pas mort encore. Le pouvoir! Je le sens qui coule en moi! Oula! Oula! Arrière! Je suis Calaca, dieu des morts et des vivants! Tremblez sous mon règne! Calaca? Ok. Ok. Pardon. Pardon. Pardon, je peux comprendre? Excusez-moi, j'ai pas compris. Ah, moi je crois que oui, c'est clair. Hein. Ah si, j'ai compris. Ah, il me gère dessus, non, je rêve. Ah, d'accord. Je veux faire des roulades, ça ne marche pas. Ok, bon, le reset, c'est un reset digne de Mario Maker, par contre. Hein. F1. Trop tôt, putain, débilos. Ah, c'est pas du fast track, ça c'est clair. Hein.
Ah bah il crache bien vite hein, je trouve. Excusez-moi. Mais putain, je suis en roulade normalement. Bref. Je vais mourir comme ça. Bim! C'est bon ça, c'est le boss final apparemment, ouais. C'est facile pour l'instant, mais c'est pas le vrai boss final, je pense. Il doit y avoir une. J'ai pas fait le jeu à 100%, donc c'est pas dire que j'ai pas tout récolté. Après, on va tout récolter, il y aura une phase supplémentaire, c'est quasi sûr. Ou quelque chose de bien, quoi. Ça, typiquement, j'en ai déjà chopé un truc comme ça. Ah, il m'en manque un. Enfin, il m'en manque deux, plutôt, on va dire. Ah, c'était pas une phase centrale, ça c'est clair. Hein. Mais le boss, ça va, quoi. Du coup, Caro, demain, on a plus de cousinade. Les enfants, ils sont trop qu'à contact. Il semblerait. Ouais, bah, j'ai eu le SMS aussi. Ah, mon pied. Hello, muchacho! Ok. Il est triste. Enfin, je crois. Hein. C'est dommage, ouais. Mais après, c'est décalé dans deux semaines ou plus, on verra. On verra quand les disponibilités, mais je dirais, je tiens au camp pour toi, du coup. On a fini le mode normal, entre guillemets. Maintenant, on va finir le jeu à 100% et voir si la fin, c'est la même fin, d'accord? On va tout récolter, comme d'hab. Les musiques sont chouettes. Bon, nous étions à la fin, déjà. C'est vrai qu'on a parlé des 18, ouais. Non, je sais. Hola muchachos! Eh, on l'a entendu, hein. Yeah! Cumpleaños! Il garde son masque, hein, et il joue au foot, hein. Moi, je jouerais pas au foot contre lui, hein. Vu les patates qu'il met, c'est pas rigolo, hein. Pognon, argent. Oh. Pam 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 pam. A winner is you. Le mode difficile est désormais disponible, il reste encore des secrets à découvrir. Continuez votre partie à partir du menu sauvegarde pour reprendre votre recherche. C'est prévu. Je fais pas le jeu en hard par contre parce que je trouve ça con que les jeux te le mettent pas directement. C'est très saoulant. Typiquement, il manque beaucoup de choses à faire dans le jeu. Hein. Allez. J'ai rien pris quasiment dans la zone. Thank you.
Pardon. Alors je sais plus où est le pourcentage, mais j'étais à 50% à peine. Je crois qu'il est dans la save, non? Ouais. Donc là c'est parti pour refaire les zones qu'on a déjà faites pour récolter les objets. Évidemment. Donc pour commencer, j'ai bien envie d'aller ici là. La caverne del Polo. Moi je vais savoir d'ici les 5 prochaines heures si je vais être dispo ou pas pour quand même. Donc sur Discord, ça marche. Peut-être King, ça marche. Ok, le business. Ah oui, yes. Mais je veux faire ma web. Merde, la roulade qui était trop longue. Mais non! Arrête! Bim! C'est quoi, c'est bleu? C'est vert, hein. Mais ils sont dans le coin, ils sont dans le ciel. Très chiant cette histoire. Bim. Ok. Bim. Ah, fait plus chier. Viens là, chacal. Ah, le bâtard. Ah, ils sont trop chiants, hein. Quoi? Mais arrête d'être... Je vais pas mourir. Ah merde, tu te souviens de Bombanco Zeket, il doit arrêter de streamer quelque temps cause Covid. Ah merde, bah ça arrive hein. Malheureusement, ça va être de plus en plus fréquent hein. T'as galéré pendant la run découverte, Mises? Pour l'instant ça va moi. Pas trop de galère sur le jeu d'ailleurs. Non, Jackie! Ah, mais t'es trop, mec! Double! Et c'est cadeau! Et c'est cadeau!
Bomba ici, ok. Je crois pas pouvoir monter, hein. D'aucune façon, hein. Salut! Salut! Ok, ok, je vais le king. Je connais pas, ouais, c'est pour ça. No lo conoce. Vas-y que je vais me parler espagnol maintenant parce que je joue à un jeu de mexicain, quoi. Super. Super les préjugés. Ah, c'est le dernier. Oh, ça me touche vraiment. Arrête de me voir le fion, ça me dégoûte là. Mais arrête ça. Ils sont chanceux là. Dégage. Bim. Ok. Par contre, faut que je le bute avant toute chose, lui. Ok. Juste là, tu fais quoi? Juste là, je sais pas, le business. Comment ça, je fais quoi? J'suis en train de jouer à... Je suis en train de faire le merde. Oula. Je suis en train de faire le polio de. Je sais pas quoi. La cabane del polo. Je peux me faire défoncer là. Bah, je l'avais pas fait, non? Non, mais j'ai rushé le boss, comme je t'ai dit. J'avais rushé le boss final. Et oui, j'ai rushé, enfin j'ai rushé sans le vouloir, hein. Je suis allé tout droit quoi. Voilà. Fuck. Bim! Quoi? Bim! Ok. Ah. Mais arrête d'être con maintenant. Mais arrête d'être con, tu gros débile. Ah mon dieu. Au secours.
Par contre, c'est nimp, on peut pas le bourrer ce boss, hein. Ben oui, ce boss il est imbourrable, c'est très chiant. Je pense pas que je streamais demain, du coup, non. Je dis que je stream pas, donc je stream pas demain. Non, demain je streamerai pas, je pense. Pa-pa-pa-pa-dam. This is the end. Chaque moule. Alors on peut y aller, Caro, demain si tu veux, ouais. C'est faisable. D'accord, faut que je pense qu'en fait le dernier, ça sera le boss de fin qui me le donnera. Ça, c'est un peu con. Ok, faut que j'y pense, faut que j'y pense. Non, mais si on y a, t'inquiète. Je voulais éviter de marcher un peu parce que j'avais vraiment mal au pied, mais. On ira, t'inquiète. Merde, je vais me crocher au mur pour aller vite. Non, mais t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Pas de sushi. Je crois qu'on a tout fait, la caverne del Polo. La caverne del Polo. Attendez, mais du coup, là, on a tout pris. Mais non, il en manque encore. Bah, il manque quoi? Mais qu'est-ce qui manque? Ah, mais c'est ce qui manque au total, ça, non? Attendez, c'est dans la zone? Ou c'est au total? Ah, j'en sais rien. Ah, 58%, on le voit moins à droite, ça y est. La forêt d'El Chibro. Pardon. Mais comment je sais où il manque, enfin, où il manque quelque chose? En vrai, parce que ça va être chiant, là. Je sais pas. Ça c'est pas cool ça. Bon déjà il manque des trucs. Alors ça c'est vraiment pas cool parce que si je sais pas où c'est qu'il manque des choses, où il manque des choses, je vais pas pouvoir chercher dans. Enfin je vais pouvoir chercher longtemps quoi. Hein. Un peu chier ça. Pas vous mentir. Pas vous mentir, ça me fait un peu chier. Je crois que les deux équipes qui ont développé Undyne et Kokamele se sont servis du même moteur physique pour être de jeu. Oh, je pense pas. C'est le genre de jeu qui est Level King qui est comme ça. Les Metroidvania ils sont tous comme ça hein. Je suis pas convaincu que ce soit le même moteur de jeu, en vrai. Ça ressemble dans le gameplay, mais seulement dans le gameplay, quoi. Et je suis un poulet, frère. Je suis un poulet! On va aller à la droite, il y a une porte bleue, et ici aussi, on va aller prendre cette porte bleue là-bas, ici. À vérifier, hein, mais c'est possible, mais après, vraiment, les jeux comme ça se ressemblent. Enfin, les jeux comme ça. Les Metroidvania, ça se ressemble fortement à chaque fois. Hein. Oui! Je suis désolé, je t'aurais joué. Non, mais tu peux parler, t'inquiète pas. Pourquoi donc? Ah, ça me fait trop penser. Ça m'a fait penser parce que, ouais, ça se ressemble un peu dans le gameplay, tout ça. Mais c'est pas pareil, ouais. C'est pas. C'est possible que ce soit le même, mais je pense qu'on peut quasiment dire la même chose de beaucoup de Metroidvania du coup. Je trouvais quand même Undyne un peu plus long en vrai, dans le gameplay. Oula.
Et des points de vie en plus. Il y a une plateforme en plus aussi également. Ok. Mais ouais, c'est vrai que c'est un souci ça. Je sais pas ce qu'il me manque en vrai. Je pensais que les trucs en bas à droite c'était ce que j'avais dans la zone, mais pas du tout en fait hein. Là il y a une petite porte. Attends, l'enfer à check hein. Parce que c'était moins ouvert je pense le Level King, enfin dans le sens où Metroid Red c'est quand même relativement étroit. C'est assez étroit Metroid. Là c'est des grandes salles bien ouvertes, ce qui peut faire penser ouais à... un peu plus à Underlys où t'avais beaucoup de salles ouvertes aussi, comme de ce genre là. Et c'est pas vraiment la même chose quoi. Enfin... Ouais ça n'a rien à voir le gameplay en vrai. Enfin... Si ça reste un Metroidvania mais... Une porte là. Pourquoi je peux pas y aller ici? Pour quelle raison? Un jeu de Keblo non? C'est fermé je crois. Ah non. Oh là. Là il y a un chemin. Ah mais je connais cette salle. Ce n'était qu'un raccourci. Ouais vraisemblablement je peux pas savoir d'avance où c'est qu'il manque des choses hein. Ça marche Caro. On va aller voir l'arbre de tulle. Et l'arbre de tulle. En fait, j'en ai aucun savoir. On est d'accord, Valking, on savait les zones qu'on n'avait pas complétées. Là, j'en sais rien du tout, en vrai, je crois. Ça va être chiant, le 100%. Très, très chiant. Il y a un trou, mais je crois qu'il n'y a rien dans le trou. Hein. Ah, il y a un raccourci, là, du coup. La cime des arbres, nouvelle zone du coup hein. Pas de cas. Des plateformes pures je crois. Ok. Ok. Ah, d'accord. Autant pour moi. Ah, merde. Ok, donc là, faut que je dash, hein. Très bien.
C'est stylé par contre comme platforming là. Ça c'est fun à faire. Très très fun ça. Oups. Oups. Ouais, c'est ce qui me semblait. Attends, j'ai pas trop compris là. Parce que là, merde, je récupère pas mes jumps. Hein. Là, je récupère absolument pas mes jumps si je fais ça. Et ouais, je vois pas trop comment la récupérer. Ah si, j'ai compris. Je suis un con. Enfin, pas la récupérer, mais comment faire du coup. Ok. Ah, oh, c'est une blague. Que c'est marrant ça. Merde. C'est super dur là. Oh là là. Là ça se complique drastiquement ici. Hein. Mentalement là c'est compliqué. C'est Super Meat Boy. Ouais on pourrait croire. Non mais jamais de la vie. Pourquoi il fait ça ce trouduc? Au secours. J'ai oublié de lâcher le bouton, ça me dégoûte. Hein. Hey, c'est moi. Bonsoir Anthony, coucou à toi, comment vas-tu? Voilà. Tu vas bien? C'est trop dur ça à faire. Notre joke, c'est vraiment trop dur. T'as vraiment, si je meurs, j'entends tout en bas. Pardon. J'ai battu le grand méchant Anthony, ouais. Là, je suis en train de 100% le jeu, mais... mais il n'y a aucune question sur là où sont les loots, hein. C'est très effrayant, du coup. Ça me fait peur. Coco, continue, que tu es à mi-chemin. Je suis à mi-chemin, seulement. Seulement mi-chemin. Coco, c'est une vanne, en fait. Je suis pas mi-chemin, je suis arrivé. Je suis arrivé. Mais quel connard. Pardon. Quel troll, bordel. Le Valu King. Merci. Bon ça il m'en manque deux du coup. Qu'est-ce qu'il y a là-haut?
Pas rien du tout quoi. Non ça va en vrai only, j'ai assez vite compris, ça va. Je suis mort 3-4 fois c'est tout. Ah oui mais attendez, mais moi je veux redescendre. Y'a pas genre un raccourci pour descendre? Parce que j'ai pas que ça à foutre hein. Ouais c'était pas fou le boss hein, c'était pas dingue. Par contre je dois vraiment... Alors là c'est insupportable par contre. Ok. Ils auraient pu nous faire retomber pas la main quoi, c'est con. Enfin ils auraient pu nous faire monter quoi, enfin nous virer d'ici quoi. Quelle bande de cons. Par contre ça c'est stylé à faire hein, très très bon. Bah je pense pas qu'il y avait de TP hein, j'ai pas vu. J'en ai pas vu hein. Peut-être j'ai biglé mais j'en ai pas vu hein. Ouais en vrai ça m'ennuie un peu parce que pour... Ah je suis à 88%. Ah de la zone. Ah. C'est des pourcentages de zone et non pas de tout le jeu. Donc c'est bon. Bon par contre c'est pas hyper précis. C'est à dire que là faut que pour le dernier, les 12% faut que je cherche en fait. Mais ok ça va. Ça va les gars. Ça va, c'est pas si pourri. J'ai vraiment eu peur par contre. C'est ça, ok. C'est bon, je suis sauvé les gars. Nous sommes sauvés. Nous allons pour cent, nous allons pouvoir... J'ai eu peur, en fait j'ai eu peur only que ce soit juste du pif pour faire le 100% du jeu, ce soit du pif. Qu'on sache pas qu'est-ce qui nous manque dans chaque zone. Bon, on sait pas vraiment ce qui nous manque, mais on sait combien de pourcentage il nous reste dans la zone. Par contre, je sais pas si le pourcentage c'est la map découverte ou si c'est les items. Parce que si c'est la map découverte, c'est chiant. Et je pense c'est pas... On va commencer par le haut plutôt. Je pense plutôt c'est les items, ouais. Ok. Bravo ça. J'ai juste ça. Ça fait chier ça par contre. Je m'attendais pas à ça. Ok, donc y a rien là. Ok. Y'a rien, il semblerait. Bah super, il manquait que ça. Un truc aussi simple que ça. Bonne ambiance ça hein. Très très bonne ambiance hein. Les bons bails, rater un item à la con. Ça c'est vraiment super hein.
Ah, c'est chouette, hein. Demain soir, hamburger maison avec steak ou du boucher, ça va être de la régalade. Ah, oh, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Tu me donnes faim. Ah, tu me donnes faim. Ah, tu dégoûtes. Coucou Adrixa, bonsoir l'ami, tu vas bien? C'est Batman? Non, c'est pas Batman, c'est un fake. Tu n'es pas Batman, hein, rassure-moi. C'est un fake, c'est pas Batman. Une pistache? Ouais, j'ai pensé, Caro, est-ce que demain on n'irait pas faire un petit resto demain soir? Ma voix est partie en sucette, hein. Pourquoi pas, Caro? Pourquoi pas, pourquoi pas? Ok. La forêt d'Alchivo! Pardon. Je meurs en direct, j'avoue, ma voix disparaît, hein. Je sais pas ce qu'elle fait. On se casse, elle en a marre de la vie. 80%, donc il manque des trucs ici, hein. Je suis un poulet. Je trouve qu'on se patte. Et là, du coup, il y a la carte ou pas? Il manque des choses ici, hein. Oh, mais il y a les quêtes à la con, ça dégoûte, c'est vrai. Putain, ouais, plein le cul. Hein. Ta-ta-ta-ta. C'est évident que j'ai loupé. Mais merde. Ça dégoûte. Je crois pas l'avoir eu le secret. Hein. Ah merde, je crois pas l'avoir eu. Là, je trouvais ça. Putain, il y en a plein de secrets que j'ai pas eu. Typiquement, il en manque 3 là, je crois. Au sommet de. Ah ouais, là. Ah, ici quoi. Ah, je suis pas allé comme un con. Moi, y'a pas de soucis, j'y vais pas, moi là-haut. Je n'y vais pas, moi, les gars. 83, il en manque un item. Ça compte pour quoi ça? Ok, ça compte pour rien du tout. Eh, on se rappelle ici, lol. Non? Vous vous rappelez quand le jeu était bugué là? Et qui nous disait qu'on avait raté quelque chose, que ça marchait pas, quoi. Petit con de jeu, là. Je l'avais pas fait un câlin, c'est vrai. Je l'avais mis des tartes dans la gueule, plutôt, hein. Bonne ambiance, quoi. Mais là, je suis déjà allé ici, là. Moi, que j'ai raté un autre truc ici, un autre secret. Dans ce labyrinthe. Ah, il y a un truc à violer là-bas à droite. Je viens de le voir, là. En plus, la journée de son salle des calendriers, c'est vrai. Mais ça, c'était la dernière fois, donc ça va. C'est safe.
Mais ça, j'ai pas le pouvoir encore. Mais ça, j'ai pas le pouvoir encore. Ça dégoûte, j'ai pas le pouvoir. On est d'accord, j'ai pas le pouvoir encore, ni hein. Eh non, hein. Ah, je me tire. Oh, ça dégoûte, quoi. C'est bon, ça dégoûte. Hein. Oh bah super. Le conseil des câlins? Non, me reportez pas, s'il vous plaît, je suis sympa, moi. Bah non, me reportez pas, bordel. Putain, je suis un mec cool, on veut me reporter, ça dégoûte. Bon là, j'ai quelques secrets à récupérer. Je suis suspecté? Je suis un imposteur? Non. C'est faux. Jamais moi je suis suspecté, jamais de la vie. Et là, vraisemblablement, j'ai tout fait, hein. Ça se passe bien, l'unité, on cherche, on cherche. Nous cherchons, nous cherchons. Tu as combien d'orbes? Je sais pas de quelle orbe tu parles. Je suis à 3 sur 6. Mais qu'est-ce que j'ai raté là, sans déconner? Alors là-bas, s'y suis. On est bon. On va descendre peut-être, hein. La porte c'est un peu chiant. La porte on a déjà fait de toute façon. On y allait déjà. Là où on l'a fait. L'ami Snake a dit qu'il essayait d'être là pour Codename ce soir, mais il est entier. Ça marche. Ça marche, ça marche. On va être nombreux ce soir encore, ça va être cool. Y'a rien. Tu n'as pas un monde et une dizaine à sauver, pas la peine à t'attarder sur moi. Ok, t'inquiète, je me casse alors. Ah donc là, y'a plus rien. Ah si. Trouver un petit chemin. Ça compte un peu ça. Soirée spaghetti. Non.
Là, on va remonter par ici, là. Et on va checker là-haut. Hein. Oh, putain. Spaghetti? Non, c'est pas ton pseudo, une business. Non, non. Non, non. Tu t'appelles pas Spaghetti, je crois. Il me semble pas. On va t'appeler Jeanne d'Arc, du coup, maintenant. Oula. Un peu chier cette histoire. Ça fait un peu chier cette histoire. Il manque un item, je crois, ou deux. Bon, en vrai, là, j'ai pas compris ça, cet interrupteur là. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas de quoi il parle. Je sais pas. C'est un truc ting 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 ting, mais je sais pas ce que c'est. Alors ça c'est nul. Mais indique-moi ce que c'est. Je sais pas ce que c'est moi. Mais vraiment, je sais pas ce que c'est en fait. Alors je veux bien, mais je sais pas quel interrupteur ça ouvre. Bah, c'est mon réveil, je crois. C'est quoi un aéro? Parce que moi, aéro, c'est le truc de Windows. Vous savez, le truc en bas là, les trucs de merde. Je veux bien, moi, je veux bien appuyer un interrupteur, mais je sais pas qu'est-ce que ça ouvre. C'est probablement l'item qui me manque en plus. Chocolat aéro, je connais pas. Mais je sais pas où c'est. Mais je sais pas ce que c'est. Mais malheureusement, je sais pas ce que c'est. Bah, ça par contre. Faut jouer un mécanisme fermé, mais j'en ai pas vu un seul mécanisme fermé. T'as mis un lien? Fais voir ce que c'est, ouais. Oh, ce lien il est très très grand. Je connaissais pas ça. Je connais pas. C'est marrant, on dirait de la mousse de chocolat, mais en barre. C'est incroyable. Ah, mais j'ai le tien, Caro, j'ai le tien, je l'ai pris. J'ai pris ton lien. J'ai regardé. C'est marrant. Les gars, je sais pas ce qu'il faut que j'aille. On va aller à gauche, hein, cette fois. Je n'ai aucune fiche idée. Hein. Mais ta mère a de choix, hein. Vraiment ta mère a de choix. J'en sais rien! C'est de la merde, honnêtement c'est de la merde. C'est de la merde. J'ai aucun moyen de savoir lequel c'est, ça me saoule. Je t'ai cherché au pif pendant 8 ans, je sais ce que ça sert en fait, à quoi ça sert l'interrupteur. C'est nul. Allez, mets-toi.
C'est un peu naze quoi. Si seulement je savais à quoi il servait l'interrupteur. Ça pourrait être sympathique. Faudra grimper sur un mur non loin pour le switch. Qu'est-ce que j'ai manqué? Ah, bien sûr. Ouais. Alors celui-ci, il faut le pondre. Hein. Honnêtement, celui-ci, il faut le trouver. Hein. Alors celui-ci, il faut vraiment le trouver. Hein. Mixouille, bonsoir à toi, merci pour ton raid. Comment vas-tu? Comment se passe ton live? Comment s'est passé ton live, pardon? Ouais, j'ai vu, ouais, j'ai vu un truc. Allez tout le monde, coucou à Mixu, coucou à tous, bien le bonsoir à vous et bonne année à tous ceux que je n'ai pas vu encore une fois et que je n'ai pas souhaité. J'espère que tout le monde va bien. Ceci dit, ça m'explique pas vraiment ce que je dois faire. C'est quand même pute ce passage. Hein. Honnêtement, ce secret il pue un peu la bite. Hein. Trois milliards de mobs en plus. Ok. Ok. C'est là. Sur le mur là. Alors que je le vois ou pas, je vois pas l'intérêt. Parce qu'il y a un pic dessus quoi. Aïe aïe aïe, ah bah tiens mon copain le poulet. Le poulet. C'est il est là, c'est El Polo. Moi je comprends pas. El Polo, moi j'ai pas compris.
Mais c'est... À quoi bon, de toute façon? Alors, je vois bien, mais je vois pas à quoi bon. Alors, ce secret-là... C'est ce truc là? Ah ouais, je crois que c'est ce truc là. Ah ouais d'accord, mais je l'avais jamais vu en vrai. Enfin c'est sûrement ce truc là. Ok. Ah, c'est particulier quand même hein. On voit pas facilement que c'est une porte qu'on va devoir ouvrir avec un interrupteur hein. Je suis pas fan de ce secret hein. Vraiment pas. On dirait qu'il fait de la descente en rappel. Énorme. Oh, on va attendre un petit peu. Pas hyper fan de ce secret. En plus, ça me donne rien, je crois. Donc c'est peut-être un secret, mais finalement, c'est pas ce que j'avais besoin, je crois. Oh oui, donne-moi! Oui, là! Le bout de bouche! Attention. Ah, 600%, c'est bon. Beaucoup de poules ici, hein. Merde, là. Ah, il y a un indice, si je l'ai pas vu, l'indice. J'avais pourvu, hein. Alors, 30% ici, on a rien glandé. Mais porte du lait, je peux rien faire. Porte du lait, tu m'emmerdes avec tes portes du lait. Putain, il y a beaucoup de coffres que j'ai pas pris, hein. Oh là là. Bah je vais me barrer parce qu'il y a une porte violette et j'ai pas envie de me fâcher avec les portes violettes pour l'instant parce que j'ai pas de quoi ouvrir les portes violettes, donc je me casse. Alors je vais quand même rester en vrai. Mais ça fait chier quoi, les portes violettes. Super. Bah super. Par contre, c'est Genius Move ça. Dès le début, Genius Move. Hein. Quoi? Oh, j'ai pas vu, putain. Bon indice sur où choper les pouvoirs. Pourquoi pas? Ça va m'être utile, ouais, je pense. Allez, ça vient pendant 2 minutes. Coucou Mako, bonsoir à toi. Pendant 2 minutes jusqu'à 36 de live, nous parlerons comme ça. Coucou. En enfer. Ah, d'accord, c'est un bel indice. Je sais où c'est. Comment allez-vous? Ça marche, Mako? Tu vas bien? Des bisous. A plus tard, Mako. Et au moins, c'est l'ASMR. Cadeau, pas de problème. Avec plaisir, évidemment. Y'a rien là-haut. Je
Ok. Bim. Ça le récupère, c'est parfait. C'est parfait, les gars. Parfait, on est bon là. Non, mais pique pas, je suis gentil, moi. Arrête. Arrête tes conneries. Arrête. C'est pas cool, mec. Voilà. On va retourner parce qu'après, il y a une portuette. On peut rien faire à la portuette. On ira en enfer plus tard, d'accord? Demain. Demain, on va en enfer. Partir à gauche, là. Peut-être y a un secret à gauche. Non. Attendez. Ça s'est déjà fait, ça. Il n'y en a pas d'autre. Non, pas demain. Demain, il n'y a pas de live, demain. Demain, c'est nos lives, les gars. Pas de live demain. Et c'est une fin d'ASMR. Ah oui, une petite fin d'ASMR, c'est cool hein. Ça fait toujours bien quand ça s'arrête hein. Non, c'est trop haut ça. Je peux aller en faire de ça, très bien. Cassos. À moi! C'est à moi! C'est à moi! C'est à moi! Pardon. Yes! Non, je veux pas tomber dessus, putain. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte! Pas sûr qu'il y a quelque chose là-haut en vrai, hein. Ah, peut-être en fait, hein. Ah! Oh, attends quoi? Ah, mais si, si, se passe tout en bas. Non. Là. Là, ça devrait passer dessous et normalement, je vais atteindre le prochain mur. Oh, c'est beau. Oh, ça m'a rejoint! Attendez, je repars. Je suis dégoûté. Mais en vrai, je suis sûr qu'il n'y a rien, quoi. Quoi qu'il y a peut-être quelque chose. Non, il y a peut-être quelque chose. Il faut s'en assurer, les gars. Les gars, il faut s'en assurer. C'est bon ça. Sa mère la pute. C'est bon. Excusez-moi, c'était grossier, mais bon, c'est une vérité. Faudra que je jump. Hein. Parfait. Mais quel con, je me suis trompé de bouton! J'ai plein le cul. Et j'en ai plein le fion. Mais oui, faut arrêter de con maintenant là, c'est bon. Ça dégoûte au bout d'un moment là, c'est pas bon ça. Ça c'est bon. Hop. Oh. Je vais tout casser. Je vais tout casser. Oui, ça me dégoûte. Voilà! Par contre, c'est marrant parce qu'on est sous la salle. Mais ça ne sert à rien pour l'instant. J'ai pas le cul. Niveau intérêt, c'est quoi?
Attendez. C'est énorme ça. Est-ce que je ne serais pas en train de fromage le jeu vidéo? Je pense, hein. En vrai, les gars, je crois que je suis en train de péter le jeu vidéo là. Ouais, ça me dérange pas, moi, de péter le jeu vidéo. Je crois que c'est une sorte de fromage, hein. Ouais, raccourci. C'est qui, Jackie? Pourquoi il est énervé, Jackie? Dégage. Qui est énervé, Jackie? Ah non. Ah bah, ouais, j'ai pas encore le pouvoir, en fait, hein. Je crois que j'ai fromage un peu le jeu vidéo, mais ça ne sert à rien. Ok. Ça n'a servi à rien du tout, strictement nada. Juste à voir qu'on n'avait pas encore le pouvoir, c'est bien. Eh bah putain. Mets tes yeux. Ah, mets tes yeux, ouais. Merci. T'étais... Oh, attendez, il y a quelque chose là-haut. Je reconnais ça. Ah, j'ai déjà vu ça, je reconnais. Non, mais attendez, je connais. Arrêtez, arrêtez, vous de moi, je connais ça. Ça, j'en connais ça. Eh oui, ça, je connais ça. Ça, les gars, on connaît, hein. Ça, c'est pas à l'imbécile qu'on apprend à faire la girouette, hein. C'est bon. Au bout d'un moment, ça dégoûte. Est-ce qu'on irait pas en bas pour voir ce qu'il y a? Si, peut-être, on récolte et on repart. Non, parce que ça va deux secondes, quoi. Voilà. Et bah ça, par exemple, ça veut absolument rien dire, mais l'effet reste le même. Exactement, c'est exactement ça, mais ça ne veut rien dire, mais l'effet reste le même. On est bien d'accord. Je vais là-bas, mais ça ne sert à rien, non? Ouais, je crois, hein. Je suis un poulet. Je suis maintenant un beau poulet. Un beau polo. Oh, salut. Est-ce que quelque part ça ne... Ça sert à rien, chef. Ok. Il y a un truc là-haut, regardez. Vous l'avez tous vu, hein. Et il y a un endroit pour tomber. Vous l'avez vu aussi, putain, ça dégoûte. Là, vous l'avez vu, hein. Oh. Oui. On va grimper, de cette façon là, regardez. C'est beau. Ah, c'est archi beau, putain. Qu'est-ce que c'est magnifique. C'est beau quand même. Ok, donc le secret est pris. Est-ce qu'on peut se barrer là-bas, continuer de voir ce qu'il y a? Putain, j'avais raté beaucoup de secrets ici, hein. Là, typiquement, faire ça, c'est auto... Non, c'est autorisé ça, ça je connais. Alors. Voilà. Y'a rien. Oh. Pardon, y'a rien, chef. On peut se barrer. Là, ce qui est autorisé, c'est de se barrer. On peut gratuitement se barrer. Grimper, ça sert à quelque chose ou pas? Je crois que ouais, hein. Ça sert complètement à quelque chose. Ne touchez pas, bande de cons. Ok. J'ai pas le pouvoir là. Ça me dégoûte. Là, je me casse là. Ok. Ah. Il y a juste lui. C'est quoi son problème à lui?
À quoi il sert? À quoi il sert, Jackie? Non, mais je suis pas venu ici pour rien! Mais je suis pas venu ici pour souffrir, moi! Pourquoi y'a rien? Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Attendez, non, je suis pas venu pour rien. Eh oui, parce que... Ah si, on est venu pour rien. On est totalement venu pour rien. Hein. Il y avait le mob de Zelda, oui, les crashers là, les... Pouf, pouf. On est venu pour la ref. On est venu pour la ref, c'est vrai. La ref était là, les gars. Ouais, je fais le cadrage de la map, je fais le contour. Ouais. De ce que j'ai compris, il faut user le mécanisme. De ce que j'ai compris, il faut user le mécanisme. Très mécanique. Ah, c'est là. Ah, c'est bien joué ça, c'est marrant. Ah non, mais c'est pas drôle ça. Salut! C'est de toute beauté, hein. Et paf! Des points de vie en plus! Ce qui nous fait du combien? Du 65% là-dessus. J'ai raté beaucoup de secrets ici, hein. Ah, j'ai parcouru la map comme un clochard, hein, si je puis dire. Non, c'est un peu péjoratif. Je vais pas le dire. Mais j'ai déjà dit. Ok, donc là il y a peut-être un secret là-bas si on fait ça. Il y en a pas! Salut. Bravo ça. Pas la peine de se faire chier, tiens. Ok, donc là il y a quelque chose. Ah bah c'est là. Très clairement on le voit. Très clairement on le voit, on le voit, on le voit. Tadatatatatatam. Tadatatatatatam. Comment savoir tout clean ici, hein? Ah bah c'était non. On va aller le pico des galos après. Effrayant. Effrayant encore une fois. Ah bah. Ah, je peux taper dessus. Ah, je suis baisé. Je suis un peu plus baisé. Ah, c'est la ville, trop marrant. Non. Qu'ai-je raté du coup là-haut? Ah, rien. Vas-y, je dois rater une quête là, non? Donc, perdre de quête, ces petits cons. La agua. Non. Non. Ici j'ai carrément omis une salle. Ah bah, je peux comprendre pourquoi. Hein. On a tout fait, on se casse. On se casse. Par ici, on va tenter d'aller en enfer. El Infierno!
57%. Petite musique de notre ami Onni. Pardon. Voilà. Poulet. Ah mais non. Ah, le picot des galops, y a pas grand chose. Hein. Putain, j'ai raté tellement de trucs les gars. Tellement de power-up j'ai raté. C'est hallucinant. Hallucinant. Rayman, ouais. Donc, est con que j'ai pas vu, putain, mais je suis aveugle, hein. Aïe aïe aïe, attendez, on va voir ça. Mets tes yeux. Et ouais hein. Ah ouais, un peu ouais. Putain mais je vois rien hein, nom de dieu. Putain j'aurai toutes les rêves quoi. Quel enfer. Ah non, je vois rien du tout, je suis vraiment aveugle. C'est hallucinant. Ah bonjour! Tu dois te demander ce que je fais dans cette cave qui empêche le guano. Il se trouve que je cherche un aventurier qui n'a pas froid aux yeux et quelqu'un dans ton genre. J'ai une offre à te faire, Luchador. Tu vois cette porte ancienne si mystérieuse? Nul ne sait vraiment où elle conduit, mais quelque chose de terrible s'est sans doute produit. On dirait une porte menant à l'un des royaumes secrets de Chak Maul. Ce sont les lieux anciens chargés de pouvoirs magiques qui a bien pu faire de tels dégâts à un tel lieu. Et d'où vient cette odeur de fumée? Je ne crois pas que cela vienne du guano. Mais qui peut le dire? Il doit s'en passer en bas. Mais pour franchir cet éboulis magique, il te faudra de la dynamite espectrale. C'est un explosif magique très rare. Moi, ouais, j'en ai un bâton ici même. Et je ne suis pas du genre à m'aventurer dans les endroits pareils, alors... Tu veux acheter le matériel de quoi? Des parenteux ou acheter? Bah j'achète, c'est pas cher. Au plaisir de refaire affaire avec toi. S'il te plaît, à toi l'honneur. Ok. Quoi, c'est un passé? C'est bizarre. Pour tout te dire, je n'ai jamais utilisé l'explosif magique avant, tu me disais peut-être mal pris, non? Allez, ça dégage. Oula, il y a du truc du futur là. Je suis un poulet! L'inferno! Pardon. Faut toujours que je crie. Désolé. C'est comme ça que je m'exprime. Je suis un poulet! Exactement, Mixouille. Oula, ça fort l'enfer là, hein? Oula. Ouah, wow, Luchador, comment es-tu entré à la sécurité à vérifier tes papiers? Le gros trou dans le mur, ouais. Tu peux dire merci à Kalaka pour ça, eh bien, te voilà, El Inferno. El Diablo, j'irai très bien cet endroit, mais depuis le soulèvement de Kalaka, il nous manque, c'est le bazar ici.
El Diablo dirigeait tout depuis le sommet de cette immense tour là-bas. Je n'ai jamais dépassé le troisième étage, mais il paraît que son bureau est très chouette. Ok. C'est un tel bazar ici depuis que Kalaka est allé à cette sorcière, alias sorcière, et qu'ils se sont enfuis. On peut dire ce qu'on veut, El Diablo, mais il savait où il allait. Par contre, côté torture, c'était nul. Le diable a été changé en poulet, exactement, oui. Exactly. Et que le poulet, enfin que le diable m'a donné le pouvoir de me changer moi quand je veux en poulet, je crois. Il m'a dit, hé, au fait, appuie sur ce bouton, c'est trop bien. Ce n'est pas très drôle, hein. Je trouve que Charon est de moins en moins... Charon, pardon. Il paraît que Kalaka a levé son armée à partir des ossements que l'on trouve éparpillés par ici. Donc, les squelettes qui ont envahi notre monde ne sont pas des gens, ce sont des marionnettes. Même s'ils n'avaient pas détruit nos archives, cela aurait fait exploser nos données de recensement. Est-ce qu'il s'est préoccupé une seule seconde du problème qui allait creuser, très peu probable. Hein? C'est égoïste, hein? Ouais, plutôt, ouais. Et David Advocate. 666 avec un 9 finalement en bas. Marrant. C'est de la folie ici, en ce moment. Je crois bien que j'ai vu un coq passer tout à l'heure, c'est peut-être l'animal de compagnie de quelqu'un. Comment crois-tu que je suis si svelte? Le boulet de bagnard, c'est un très bon exercice. Kalaka n'a pas les autorisations pour lever l'armée de morts vivants ici. Si El Diablo était là, il pèterait un plomb. Fichu! Bouton, ouvre-toi! Cette porte, j'ai du boulot! Ah! Oh, j'adore, j'étais en train de regarder cet ascenseur. Mon ascenseur qui ne marche pas, qui mène à mon bureau où se trouvent des documents très importants. Je reviens tout juste de ma petite parenthèse dans le monde en haut et je remarque de légers changements que Kalaka a mis en place. Par exemple, les verrous des portes sont connectés à un système d'objectifs qui concerne les vieilles salles de torture du haut. Je ne sais pas si c'est pour entraîner ses troupes ou si c'est une blague. Merde, je peux le demander. Mauvais goût, mais je ne peux rien faire dans mon état actuel. Tu sais, c'est drôle de te voir ici, j'adore. C'est une drôle de coïncidence en fait. Je te sors d'un très mauvais pas dans le désert et tout à coup, te voilà, tu débarques à l'inferno, mais tout en muscles et en pleine forme. Ce que c'est que le destin quand même. Bien, et si tu allais gentiment jusqu'à les salles de torture pour me dire comment ça se passe? Bah, je veux bien essayer, moi, mais... Je peux fermer, quoi. Un coq est venu coqueter et volter contre moi tout à l'heure. J'étais obligé de le chasser physiquement. Ah, très bien. Donc là, il y a du danger, apparemment. Atteindre le but aussi vite que possible. Bon, ouais, ok, ok, ok. Merde. Redémarrer. Non, c'est nul à chier. C'est marrant, ça. C'est marrant ça, c'est rigolo ça. Bim! C'est qui le patron? Ah, c'est Bibi! Nous on gold. Défi 2. Battez tous les ennemis et obtenez le combo le plus élevé. 200 touches. Bravo! Mais n'importe quoi, fils de catin. Là. Alors ça c'est n'importe quoi, ça. Là. Parce que ces mobs-là, tu prends les trucs. Ça va être chaud de faire le sang.
Les petits défis du diable, c'est un peu ça. Mais ça, ça va être chaud, ouais. Ça va être... Oui. Hein? Ok. Ça, ça va être chaud, les gars. Sky Galaxia. Sky Galaxia. Bonne nuit. Oh, c'est chaud. J'ai fait un no-hit mais je fais pas de sang. Il y a de tout dans ce jeu, platforming, speedrun, beat'em up, c'est ça, c'est un beau bordel de plein de choses à faire. Là, je suis un peu déçu par contre, parce que je fais un joli combo, quoi. Hein? C'est ça? Attends, ça va? Hein? Oui, je vois. Ça va, nous devons bien. Les yeux rouges, faut dormir la nuit. Si. Ouais, mais j'ai envie dehors, moi. J'ai envie d'or, Odny. Je veux or tout le temps. Tout partout. C'est mon but dans la vie. Voilà, on vient de parler de pognon, donc au moins... Évidemment. Oh non, ta mère a de choix, s'il te plaît. Oh, ça me dégoûte. Aïe, aïe. Bon, après, on va tester les autres, finalement. Défi 3. Utiliser l'environnement pour vaincre les ennemis invincibles. Ok. Ouais, en plus, c'est un luchador, pas un luchador d'argent. Exactement, level king. Pas mal. Tiens. Mais attends, mais c'est quoi les... Et je vois, c'est quoi qui tue là en fait? Mais... Et c'est quoi qui tue? Allô? Bah j'aimerais bien mais... Ah ça tue ça? Bah putain, je... Mais what? Ah! Mais pourquoi? Mais... Que des nids! Y'a un problème, non? C'est cassé encore? Que des nids! Non mais y'a un souci là par contre.
Il y a un problème, hein. Excusez-moi, mais il y a un problème. Je crois que j'ai un bug, ça déclenche rien du tout. Putain, par contre, ça fait le deuxième bug, hein. Ah, ça me touche, ça fait cette super mob. C'est cette connerie. Ouais. J'ai pas compris en fait ce que ça a déclenché. Ah, ben voilà. Ouais, mais c'est de la merde, ce mob aussi. Mais. C'est de la merde, c'est pas que c'est des fils de pute. Je pense que le col est fait, c'est des fils de pute. Mais attrape-le! Mon accu! Putain, des fois le jeu vidéo! J'ai pété un plomb par contre. Très chiant ces mobs. Au secours. Allez, le dernier, ensuite on va se quitter pour aujourd'hui. Est-ce qu'il va au bon moment pour franchir les épines? Ok. Facile ça. Ça c'était facile. Ah oui, or, y'a pas besoin. Ah si, or, y'a besoin quand même. Bon, je sais pas combien en faut, mais on verra bien combien en faut. La prochaine fois, parce que là on se quitte, il est 16h et c'est l'heure de se quitter, évidemment. Évidemment. En tout cas, c'est marrant ces petits mini-jeux là. C'est rigolo. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt marrant. C'est plutôt l'amusement. Tac. Donc demain, ouais, pas de live. Demain, pas de live. Ce soir, Communautod. Petite soirée de la Communautod ce soir. Matez-moi ça un peu. Ce soir, c'est Codename en votre compagnie, en compagnie de Sky Galaxia, de... Peut-être pas du coup de Sky Galaxia, de Only Humanu, de Nabil, de Xiao, de... De Trifly, de plein de gens. De tout plein de gens. Du monde entier. Non, quand même pas. Mais tout plein de gens. Donc si vous voulez jouer, n'hésitez pas à venir jouer avec nous, évidemment. Demain, pas de live. Hein. Dimanche après-midi, rétro de manche sur Dynamite Heady. Et GeoGuessr le dimanche soir, comme d'habitude. Voici, voilou. Merci à tous pour d'avoir suivi ce live. Merci. Ça vous a plu? Vous avez apprécié? C'est vrai, t'as pas aimé? T'as pas aimé? Caro n'a pas aimé, les gars. De Harry Potter, de Superman et de Naruto. Non, eux, on ne sera pas accompagné de Naruto. Oh. Non, il y aura Sasuke. Lui sera là. Il y aura pas Naruto. Lui sera pas là. Il y aura d'autres personnes. Il y aura Deidara. Il y aura Deidara, ne t'inquiète pas. Il sera là. Il sera là. Non, il sera pas là. Donc, tout plein de personnes ce soir pour Codename. Je vous donne rendez-vous ce soir, du coup, à 21h pour du Codename. Merci d'avoir suivi ce live, merci à vous. Des bisous à vous, portez-vous bien, bon après-midi et à ce soir tout simplement. Des bisous, pas de raid parce que j'ai la flemme. Voilà. Des bisous et à ce soir. De Yumiko Jabami. Hein? Hein? Elle va nous exploser par contre. Et des bisous à tous. À ce soir, des bisous. Salut! Putain, je brillais à cause de la luminosité. Trop bien. Allez. À ce soir. Au revoir.